Bonjour, bonsoir pour nous tous. Aujourd'hui, c'est mercredi 21 juin 2023. C'est toujours même plaisir qu'est content pour nous capable entrer la caillou, pour nous capable présenter la troisième sortie journal TAC 509. C'est un plaisir pour nous capable rejoindre nous sur plateforme TAC 509, journal ça qui revient possible grâce à journaliste et technicien TAC 509 pour présenter au journal ça. C'est moi-même Luc Albert Beaubrun. Mais quelques principales informations qu'a développé pour vous dans le journal là. Premier ministre, Dr. Ariel Henry, le rendu dans le pays la France, m'a dit 20 juin 2023. Dr. Ariel Henry, qui doit participer dans le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Président français Emmanuel Macron, initié, sorti 22 pour arriver 23 juin, cap vini là. Et structure sociopolitique résistance pour Haïti dénoncer mauvaise gouvernance pouvoir en place là a fait dans tête pays d'Haïti côté population pas conn qui sait pour lui adresser face à toute qualité problème pays a fait face selon responsable structure politique ça qui salue toute initiative qui visait résoudre une crise sous toute forme capable brasser bill pays d'Haïti. D'après Didier Benel, un responsable organisation sociopolitique résistance pour Haïti, il fait connaître que Premier ministre de facto Ariel Henry n'a pas aucune légitimité pour continuer à diriger le pays d'Haïti à cause l'État impliqué bien fort dans l'assassinat ancien président républicain Jovenel Moïse dans la date 7 juillet 2021 passé. Chelson Sanon qui portait précision sur évasion qui était faite 15 février 2023 dans le paquet Port-au-Prince, confirmé que t'es 3 prisonniers qui étaient dans le paquet à Joussa, des prisonniers t'es sauvé et l'autre là t'es retourné dans le pénitencier national. Dans le département Latibonite pays a gagné chef gang en Kokorat sans Lasla n'a parlé de meilleur ainsi connu. Les mêmes qui sorti en vidéo, lui présenté plus passé 10 âmes la guerre et lui fait quoi que la police a bandi pas qu'à retirer la ville qui donc lui fait connaître que Lila Pired n'a pas plus de détails à Désir Venesse qui a coûté explication sur dossier si là. Zami internaute TAC 509, c'est ensemble point ça yo à divers slots qui peuvent faire essentiel. Information sous plateforme TAC 509 là. Rete branché d'abtounen pour développement information. Merci à toutes les amis internautes qui ont choisi brancher plateforme TAC 509. Bienvenue dans la troisième sortie journal TAC 509 pour mercredi 21 juin 2023. Un journal qui revient possible grâce à l'équipe journaliste et technicien TAC 509. Pour présenter au journal ça, c'est moi-même Luc Albert Beaubrun. Mais journal là en détail. Je nous t'ai annoncé en gratitude, Premier ministre haïtien Dr. Ariel Henry rend le pays la France mardi 20 juin 2023. Dr. Ariel Henry doit participer dans le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Emmanuel Macron, qui est président français, lui-même qui initie une activité qui a démarré sorti 22 pour arriver 23 juin qui a venu là. Sommet c'est là qui pourrait réunir une centaine de leaders mondiaux et leaders société civile là. Côté que Premier ministre de facto, Dr. Ariel Henry, pour rencontrer président Emmanuel Macron pour capable discuter sous relation de pays. Toujours dossier politique, dans le journal là, structure sociopolitique résistance pour Haïti, dénoncer mauvaise gouvernance, pouvoir en place là, à faire dans le pays d'Haïti. Côté population, pas contre qui c'est pour lui adresser face à toute qualité problème, pays a fait face, jeudi, responsable d'un nouveau structure politique, ça, salue toute initiative qui visait résoudre crise sous toute forme qu'a brassé bill pays dans ce sens. Yon dirigeant organisation politique si la Patrice Célestin fait appel à tout secteur dans la société pour chita ensemble dans sa yon relais conférence nationale là dans objectif pour capable résoudre problème pays d'Haïti à confronter. Patrice Célestin, c'est yon dirigeant organisation sociopolitique résistance pour Haïti, l'abdi plus dans micro Jacques Smith. Si moun pa ka manger dans le pays, si moun pa ka l'école, pas de santé, pas de logement. Jodia la inflation, tout le monde connaît, jodia les plus que 40%. Jodia la tout le monde connaît, chômage là, pas de travail. Toute famille jodia n'a pas tout la riche, tout trottoir, tout le monde c'est un petit table, un petit banquette limité pour vendre des trois bagages parce que le pays n'a pas de travail, toute industrie fermée, factory fermée, tout
entité côté moun tap travail jodi a la yo fermé. C'est sous base ça. Sans l'homme de bois, jodi a la dit, nous saluer rencontre nous tendez qui t'a le fait Jamaïque là. Nous pas cracher sous lui. Même si quand même nous réserve nous parce que n'a demandé pour qui ça, c'est Jamaïque qui t'a le fait. Même quand jodi a attendé le Canada qui dit la ville de nous dans raison sécurité. Mais mon cabinet de nous sécurité a dit déjà Haïti 3 dans insécurité, il n'y a pas installé là sans République Dominicaine, il va installer. Tandis que on a bien aidé la police là, tandis que nous avons territoire, nous avons espace, c'est notre pays voisin, il a dit qu'on va mettre base pour venir aider qui police nationale là. C'est un abdi international là, il faut quitter, jouer de salade, jouer là. Aller droit au but. Si son nation a disparu, qu'elle nous disparaît et nous finit. Mais nous-mêmes, je veux dire, avec un petit dessin, petit Toussaint Louverture, petit Cabral Amor, petit Chalmay Peral, n'a dit, ça que tu as fait Jamaïque là, c'est vrai, il n'y a pas fait Jamaïque, mais quand même, nous saluons différents partis politiques, quand même, qui sont sortis avec une idée commune, quand ils ont signé, ils ont pacte, ils ont dit, je veux dire, là, pas gagné qu'à faire. Par contre, deux nouveaux qui sont sortis dans la crise là avec Ariel Henry. Parce que Ariel Henry, je dis, c'est lui qui symbolisait l'ingérence, lui symbolisait l'instabilité politique. Ariel Henry symbolisait la corruption. Monsieur et dame qui t'a Jamaïque, comme je dis, rencontre là en continuation, n'a demandé groupe ça, qui était au niveau Famille Lavalas, OPL, vous devez mettre PHTK, tout le monde, vous devez se volonté, manifestation gagnée. Pour venir ici avec crise là, n'a demandé pour gagner un rassemblement qui fait un fonds commun qui fait vrai. Même je suis interprété de compte là pour nous conférence nationale souveraine, pour nous joindre ici avec crise là, côté c'est tout petit pays là, tout couche qu'on dit qui rentre là-dedans. C'était déclaration Patrice Célestin qui c'est un dirigeant instructif sociopolitique résistance pour Haïti. D'après Didier Benel, qui est un membre instructif, il fait connaître que le Premier ministre de facto Ariel Henry n'a pas de légitimité pour continuer à diriger le pays d'Haïti à cause l'État impliqué bien fond dans l'assassinat ancien président de la République, Jovenel Moïse, dans la date 7 juillet 2021. Passé à selon dirigeant organisation sociopolitique résistance pour Haïti Didier Benel qui profite de dénoncer comportement chef gouvernement qui pas manifesté volonté pour ta organiser élection dans le pays qui c'est une façon pour le capable continuer kembe pouvoir. Didier Benel c'est une responsable organisation sociopolitique résistance pour Haïti l'a dit plus dans micro Jacques Smith. Et nous tous nous connaissons Ariel Henry et pas gagné 2 ans depuis que lui-même est arrivé là. Après un tweet de groupe, après l'assassinat de Jovenel Moïse, et Ariel va arriver là comme premier ministre. Je dis à une chose que nous toujours dit avec la société, Ariel Henry sont prisonniers qui sont dans la rue. L'on prisonnier dans la rue, pas de rien de bon qui est capable d'attendre que les prisonniers ça va le faire. Tout rêve, c'est toute prison crasée. Tout rêve, c'est pas de aucune institution qui existait dans le pays. Et permettre que je me fasse un petit rappel pour nous sur question ensemble des transitions qui passaient dans le pays déjà. Si nous prenons l'État Pascal Trouillot, il n'a pas fait 2 ans. Avant 2 ans de l'arrivée, il était temps de faire élection en 91 côté côte après gagner Jean-Bertrand Aristide qui a venu au pouvoir. Transition qui a fait 2 ans, qui c'est transition Boniface, mais 2 ans après l'arrivée, l'élection était en fait pour devenir remplacer le pape Préval. 2016, il a gagné transition avec Privé. Transition ça va le faire 1 an. Et jodi on gagne Ariel Henry qui là qui va le gagner 2 ans 20 juillet qui va le venir là ben dans 2 ans Ariel va le gagner là permettre que me rappeler nous là nous prend à partir de 8 février 2022 côté que gagne un voice cap circule sur réseau d'après CNN il dit selon Gary Aurélien, qui est juge d'instruction, Ariel Henry était en contact direct avec civil, la guerre civile, un homme qui est en prison aujourd'hui, comme monde qui participait dans l'assassinat de Jovenel. Si nous prenons le 9 septembre 2021, le 9 septembre 2021, Claude Belford, commissaire du gouvernement, mettez mandat derrière Ariel.
Si nous prenons à partir du 14 septembre 2021, Claude Belfort a écrit encore avec le directeur immigration pour mettre interdiction de départ pour Ariel ne pas quitter le pays. Là, nous prenons ensemble d'articles qui sont soit Washington Post, Miami Herald et New York Times. Nous apprenons et gagnons l'autre journal colombien qui parlait encore des questions d'implication Ariel dans l'assassinat journal. Il permet que nous rappelions nous là, la guerre civile, mais dans l'autre article qui sortit au côté que nous disons que Ariel est en contact tout serré avec Félix Badjo, un monde que aujourd'hui la justice mettait à vie de recherche derrière, il a cherché. Et Ariel Souscoup lui a dit que Badjo ses amis, ses frères. Environ 24 mois depuis Dr. Ariel Henry a gouverné le pays à condition la vie population en vin plus difficile sous plan économique alors que gen gros l'argent qui a brassé en dans l'État. Pour raison ça, résistance pour Haïti qui gen plusieurs militants là-dedans yo annoncé yon journée mobilisation y a organisé devant résidence officielle premier ministre de facto Ariel Henry dans Musso Delma 60 jour cap 22 juillet 2023 cap marqué de l'année depuis locataire primatien a mené bac pays d'Haïti. En écouter plus détail à Didier Binel dans micro journaliste tak 509. L'an deux ans que Ariel pral gen là, Ariel gen environ 3 budgets qui gen passé dans mel qui évalué à plus passé 494 milliards de gouttes. Dans 494 milliards de gouttes ça, là-dedans gen environ 24 milliards de gouttes pour question apaisement social. Te gon premier apaisement social qui t'a pral faire te dit, c'était 3 milliards de gouttes. Vin gon deuxième tranche encore qui c'est 21 milliards de gouttes. Jodi a là, l'État haïtien pas payé même employé yo. L'État haïtien pas payé même entreprise que l'État gen contrat ensemble avec lui. Jodi a yon nan question que nous mêmes au niveau résistance pour Haïti qui n'a posé, c'est qui ça? L'argent pays ça li régler. Parce que là on prend plus passé 494 milliards de gouttes qui n'ont mis Ariel dans trois budgets. Jodi an, l'État haïtien, li pa paye, employé l'État pas touché. Fatra, pas levé dans la rue, pas gen rien qui a fait dans le pays. Et l'État pas paye même entreprise qui a un contrat ensemble avec lui. C'est ça que fait. Nous même nous disons avec la société. Jodi an, nous devant la caméra la presse, quel que soit l'espace côté que nous avons. Nous tous connaissons. Bataille que nous-mêmes nous avons fait en faveur Jovenel en dans pays. Nous avons fait bataille en faveur Jovenel parce que nous, Jovenel, t'es venu écraser toute institution. Nous, ça fait toujours dit ADN PHTK, c'est massacre, c'est crime. Ou après PHTK, il y a plus passé 12 ans depuis qu'elle prend la prend pouvoir ici dans le pays d'Haïti, il va y avoir une grande élection. Dans 12 ans PHTK, c'est zéro élection. Et bien, je dis, nous-mêmes, au niveau résistance pour Haïti, si dans 12 ans PHTK pas jamais font grande institution dans pays. Si dans 12 ans PHTK casé toute institution que nous gagnons en dans pays. Et aujourd'hui j'en Ariel, j'aime ça dire là qui sont prisonniers qui dans la rue. Eh bien, qui élection? Qui ça qui des bons que on haïtien capable espérer qu'on capable joindre avec Ariel. Dans premier trimestre année 2023, n'a parlé de janvier, février, mars ou juin selon rapport Nations Unies. Ou gagne plus passé 600 000 moun qui quitte la caillou. Ou gagne plus passé 3 500 moun qui ont boulé, qui ont assassiné. Ou gagne plus passé 50 policiers qui ont assassiné en dans pays. Je dis, bah ouais, si nous regardons la gouvernance Ariel en dans pays, pour le pays d'Haïti, nous disons c'est zéro. À part des massacres, plus passé 17 massacres qui fait en dans pays. Pas plus tard là. Que lundi qui s'est passé, côté qu'on massacre fait dans le tabac, il s'est passé 15 moun mouri. Et hier, nèg yo fait toute journée, yo pillé tout business, tout kay moun qui sont tabac. Après que ça fin fait, Jamaïque là, que bon ensemble de nèg, zami Ariel, allié Ariel qui s'est vite l'homme, yo va le mettre du fait dans le consulat Jamaïque qui sous tabac. Là. Et après ça, yo descend, yo pillé tout kay moun, yo mette du fait la kay tout moun. Mouka que je dis, on délai quand on voit le temps pour Ariel, c'est bon, mais pour nous continuer la bataille, pour nous capables de retirer Ariel là. Je dis à ça que nous avec tout le monde. Il faut que nous campions pour nous gommer, pour nous ne pas perdre à qui démocratique nous sommes. Et je dis à un ensemble de monde qui t'a fait nous quoi, Ariel illégal et un ensemble de bagages qui Ariel a fait, comme quoi ça Ariel a fait, ok, illégal.
Voilà, on t'a porté dirigeant instructif sociopolitique résistance pour Haïti, Didier Benel. L'autre information dans le journal La Chelson, ça non, tout le monde connaît qui t'est passé 10 l'année dans la prison pénitentiaire nationale qui libéré, bien lui-même, qui vient porter précision sur l'évasion qui était faite dans la date 15 février 2023 dans le paquet Port-au-Prince. Il a confirmé que tu as gagné 3 prisonniers qui étaient dans le paquet. Juste ça, 2 dans le prisonnier, tu es sauvé et l'autre là, tu es retourné dans la pénitentiaire nationale. La police t'a pris récupérer 2 prisonniers. Il y a un petit temps après, d'après Chelson Sanon qui profitait de dénoncer une série d'organisations droits monde qui prend plaisir fait faux rapport sur monde pour faire gros l'argent, les dénoncer en même temps situation certains prisonniers qui ont souffri dans prison sous complicité organisation qui dit y a défendre droit monde dans pays. En écouter Chelson Sanon qui a dit plus dans micro journaliste TAC 509. Premièrement, mais qui ça nous parle toucher 15 février 2023, madame Marie-Hélène Gilles dit qu'il y a 3 prisonniers qui évadé dans paquet Port-au-Prince. Dans objectif pour être capable d'utiliser organisation qui gagne la dirigée FJKL contre commissaire gouvernement Lafontaine. Nous pas voulons pour monde utiliser organisation droit monde pour faire méchanceté. Mais qui ça DDO remettre moi comme document les mal chercher mener enquête sur. Effectivement, il y a 3 monde qui t'aller tribunal jour ça. Il y a 2 qui t'est sauvé. Youn te retourné dans prison sous recommandation commissaire gouvernement Jacques Lafontaine. La police te récupéré 2 moun sa yo mes documents. M'a demandé Marie-Hélène Gilles pour lui agir et parler avec documents au lieu que lui chercher chaque sac qu'elle dit pour faire un l'argent même avec Pierre Espérance pour laguer n'importe qui bagaille. Moi pas qu'à faire mentir sur la police mais documents que la police remet moi moun sa yo trouver au pénitentiaire national. Gen yon la de ou ki libéré légalement. Deuxièmement, Marie-Hélène Gilles dit âme de guerre. Moi son professionnel d'âme. Là on parle de âme de guerre, ou parle de mitraillette, mini mitrailleuse, ou parle de fusil. Eh bien mes amis, c'est un pistolet calibre 9 mm Mac Bersa qui te nommé yon nan individu sa. Après ça, c'est ti volet qui t'a tenté faire pression sur yon avec douet yon comme ça. Ça, c'est une façon pour mettre la population dans plus peur. Pour créer une turbulence dans le pays. Dans l'état pays, il faut que nous ne fassions pas faire de plus peur. Je vais dénoncer encore l'évasion qui a été faite le 10 août 2014. Là, côté moi, j'étais dans la même cellule ensemble avec Clifford Brandt. Il y a environ 5 policiers qui ont subi dans la prison, qui ne sont jamais capables de libérer. Dossier bloqué en appel, ma bonne raison. C'est parce que vous avez une brande innocent dans l'évasion. Vous pas voulu, juge vous dit peur pour vous pas rendre une décision en faveur brande pour les policiers bénéficier. Il y a un policier qui est le Sénèque. Côté que la munition est finie, qui a utilisé une manchette qu'elle a pris dans la cuisine prison pour te combattre les prisonniers qui ont tenté d'aller. Eh bien, les gens qui ont bénéficié de l'évasion, ça qui vient pas bénéficier, vous dit Sénèque est dans l'évasion. Mais la coupe pénitentiaire nationale. Nous avons l'autre policier qui est le Gabriel. Mal problème, nécessité l'argent, fait le talquin pour un prise pour un policier qui fait absent pour 1000 gouttes. Pour te résoudre le problème 1000 gouttes de la caille. Eh bien, il a arrêté. Parce qu'il était kembe pour un policier. Tout le monde a subi dans la prison, a dénoncé Jean Débarrasse. Et puis, tout le monde a une nouvelle pour les policiers qui sont dans la prison, qui n'ont pas arrêté dans le kidnapping et dans le vol. Grâce avec des marches que moi fait moi viens support en ambassade que moi a posé les droits pour moi pas citer en pile là yo qui pat dans prison pour kidnapping avec vol et viol yo pral libérer et a fait demande pour yo réintégrer la police nationale d'Haïti ça pas prend un mois moi tout annoncer ça et ça qui voulait contacter me mettre le 34 89 72 47 nous plus travail que nous parler. M'a demandé avec actuel commissaire gouvernement pour lui porter explication pour moi dans qui niveau que dossier m'en est parce que dossier m'en yo t'a dit c'est un dossier qui premier perdu et c'est bureau Marie-Hélène Gilles qui te facilité paquet à te casser donc m'parete quoi que y a une facilité utiliser bureau yo FJKL pour paquet à casser pour yo capable résoudre problème personnel yo. Qu'on a pour venir dire c'est Lafontaine, Lafontaine, Lafontaine.
La Fontaine dit publiquement, et moi-même lui dis ça en personne, comme La Fontaine journée aujourd'hui à son simple citoyen, que la justice tende et lui-même et Marie-Hélène Gilles, qui sont simples citoyens tout. Ce n'est pas parce que lui dit la défendre droit à monde, tout ça le dit pour c'est ça. Pour prendre tout ça le dit pour l'évangile. Merci. C'était l'intervention Shelson Sanon dans le cadre de précision qui était portée sur l'invasion qui était faite en date 15 février 2023. L'espoir loin de chez soi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. C'est en baptême ça, Office Protection Citoyen commémoré Journée mondiale réfugiés, mardi 20 juin 2023. Activité ça qui était déroulée en présence de diverses personnalités dans la capitale haïtienne. Dans le discours circonstance, la directrice OPCA Yolande Joseph a dénoncé ensemble réfugiés qui en dans pays à côté yo obligé quitter la caillou à cause phénomène groupe nèg exam qui a fait parler de yo dans toute la coin pays d'Haïti qui permettent yo forcer une série citoyens quitter la caillou pour al vivre kaimoun. Madame Yolande Joseph a encouragé l'état haïtien pour permettre citoyens sa yo capable retourner la caillou. En écoutant directrice office protection citoyen Yolande Joseph a dit plus dans micro journaliste TAC 509. L'OPC a créé en 2010, au sein de sa direction de protection des droits humains, le service de déportation et des rapatriés pour mieux articuler ses actions en matière de promotion et de protection des droits des migrants, notamment ceux des réfugiés, des déplacés internes, et ce, conformément à sa mission. À travers des activités de plaidoyer, de formation, de sensibilisation et la lutte contre les discriminations contre seules fondées sur le genre, l'identité, l'âge et la nationalité. En fait, en juillet 2022, l'OPC, à travers son service de déportation et des rapatriés, de concert avec OIM, a favorisé le retour de 401 migrants haïtiens de Turquie vers Haïti. Dans cette même rubrique, l'OPC, avec l'appui du HCR, a donné une entière assistance à 2 migrants africains ayant été déportés en Haïti par les autorités d'immigration de la République dominicaine, puis arrêtés par les agents de la PNH. Suite à l'intervention de l'OPC, ils ont été libérés et maintenant ils ont le plein statut de réfugiés. Il faut surtout souligner pour l'instant que l'un d'entre eux a trouvé la possibilité de rentrer aux États-Unis. À ce sujet, nous pensons certainement aux déplacés internes de Pernier, Martissant, Fontamara, Village de Dieu, Croix des Bouquets, Bel Air, Canaran, Savien, Liancourt, pour ne citer que ces cas les plus connus. Jounen jodi a, tout moun sa yo oblige kite la kay yo. An pil la dan yo, se fam ansente, se ti moun, se gran moun, yo oblige kite tout sa yo genyen pou yo kouri kont viol, kont masak, kont tout sa ki pa bon ke bandi anme yo installe nan zon sa yo. Se yon bagay ki inakseptab, ki an violasyon ak prinsip fondamantou dwa moun. Nous demandons fermement à l'État de prendre les mesures correctives nécessaires pour permettre à ces personnes déplacées d'être rétablies dans leurs zones respectives. Ainsi, mesdames et messieurs, l'OPC et le HCR, son partenaire dans le cadre de cet accord, souhaitent vivement que ce partenariat soit utile et soit effectif. Le point de départ vers le respect effectif des droits des migrants, en particulier de nos compatriotes haïtiens et aussi de ceux et celles se trouvant sur les territoires nationaux. Voilà, on t'a écouté directrice OPCA Yolande Joseph. Dudley Saint-Jean, c'est une cadre office protection citoyen, lui présenter rapport mondial là, sur réfugiés. Nan mond lan ak refije nan peyi a cause phénomène gang yo par rapport ak sa ki montre genyen 3 peyi ki bay plis refije pou l'année 2022 parmi yo République arabe, Syrienne, Ukraine ak Afghanistan. Pourtant nan déplacé force yo tankou en Haïti moun ki kite la kayo
pour le cas et l'autre étranger pour l'année 2022, il y a plus passé 5 millions de monde qui quittaient le pays d'après cadre Office de protection citoyenne du DLE Saint-Jean qui a dit plus un ami journaliste TAC 509. Au niveau mondial, ce ne sont pas forcément les pays les plus riches, les pays les plus puissants qui sont les plus accueillants aux personnes réfugiées. Au niveau mondial, en 2022, 76% des réfugiés qui sont accueillis sont reçus dans les pays à revenus moyens ou faibles. Je répète, au niveau mondial, 76% des réfugiés sont accueillis dans des pays à revenus moyens ou faibles. Cela vous permet de comprendre ce que cela veut dire, la solidarité. Un pays n'a pas besoin d'être riche ou développé pour développer une coopération internationale et de la solidarité pour une protection effective et internationale aux personnes réfugiées. Dans le monde, 70% des réfugiés sont hébergés dans un pays voisin. Cela signifie que le bon voisinage est important pour la protection internationale. Cela signifie que dans la région, la coopération entre les États donne des résultats importants et c'est essentiel pour sauver des vies. La quatrième fiche que nous allons partager avec vous, en 2022, le HCR a traité 2,6 millions de nouvelles applications pour le statut de réfugié. Et parmi ces 2,6 millions, bien sûr, il y a des Haïtiens. Il y a des Haïtiens qui ont appliqué pour le statut de réfugié dans des pays tiers. Vous n'êtes pas sans savoir que la période où nous vivons est confrontée à beaucoup de conflits un peu partout à travers le monde. Au niveau mondial, 52% des réfugiés proviennent, tenez-vous bien, de 3 pays. Le premier, c'est la République arabe syrienne, qui compte 6,5 millions de réfugiés. Le deuxième pays, c'est l'Ukraine, avec 5,7 millions de réfugiés dans le monde. Et le troisième pays, c'est l'Afghanistan, avec 5,7 millions de réfugiés dans le monde. Les déplacés forcés, ce ne sont pas seulement des réfugiés, il y a également des déplacés internes. Il y a un peu partout dans la zone métropolitaine des sites spontanés où les personnes qui fuient la violence des attaques armées dans leur quartier sont allées se réfugier. En 2022, il y a eu 6 millions de déplacés forcés qui sont retournés dans leur milieu d'origine ou dans leur pays d'origine après les violences. Et il y a également 5,7 millions de déplacés internes et 339 300 réfugiés qui ont été comptabilisés l'année dernière. Cette déclaration cadre Office protection citoyenne n'a parlé de Dudley Saint-Jean. Zak banditisyo qui pas suspend apta e bada nan kapital haïtien nan depuis après population an ralenti ak mouvement Bwakalea nan kapital la zefeisyo pose la patte sou yon mécanicien nan Santo qui trouvé nan commune Croix des Bouquets yon situation ki la gè chagrin nan ke madame victime lan ki la gè deux bras pendye a cause li paka joine somme l'argent kidnappé yo exige l comme rançon. En suivant un reportage avec la collaboratrice nous, Adjani Oximable Saint-Fleur. Et vous pensez que dans la zone de l'île et dans la zone de l'île et tout, il connaît que le kidnappé.
et c'est littéral les une formation pour allonger nous faisons mon dit nous vraiment pas bien côté OEA l'immense demander pour nous prendre la route pour demander pour nous comment nous faire sauver au côté OEA. Depuis le mouvement Bois Caléa déclenché dans divers quartiers dans le pays, le phénomène insécurité a surtout à kidnapping a ralenti. Mais depuis quelques jours, nous avons constaté la population démotivée. Depuis le ça, Zak Bandit s'est retourné pour la plus belle. Une situation qui préoccupe les jeunes dames ça, capote un bébé. Nèg ak zam yo kidnappé Maril dans la commune. Quoi des bouquets. Les gens vont nous dire dans les déjeuners, ils vont te faire connaître que les gens vont nous. Mais après, ils vont nous aider, ils vont demander pour nous faire un contact avec notre machine, parce qu'ils étaient avec leur machine. Ils vont nous faire cette machine, ils ne vont pas venir. Demain matin, ils vont nous retourner pour cette machine, ils vont nous faire des jeux dans la cour. Ils vont nous pression, ils vont dire qu'ils vont nous venir devant la barrière. Ça n'importe quoi, ils vont nous retourner, ils vont nous faire des noix. Ils vont nous retourner pour tirer avec eux, ils vont nous parler ensemble avec eux. Ils vont nous demander où ça au café pour nous, pour toi, mon Dieu, parce que c'est malheur. Papa nous a peine sauté nous, grand-papa nous, papa nous. Même jour, nous se sentons, ça c'est mon maman qui passe en forme jusqu'à présent parce que nous sommes toujours en deuil. Il y a pas trois mois, nous sommes pas de comme ça. Après plusieurs ententes, Ravi Sayo exige 100 000 dollars américains comme rançon pour libérer otage là. Et yon l'argent, madame ak famille victime là. Pourquoi jamais un avion? Nous avons gagné 10 000 gouttes à prendre pour nous faire accoucher parce que moi, je suis non, moi, je suis venu, moi, je suis venu. Par rapport avec ça qui passe, il y a des gens qui ont des sympathies pour moi. Moi, je suis venu rassembler 30 000 gouttes pour nous les bandits. Je trouve que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça dans le cas. Je ne peux pas faire ça, 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 je ne peux pas faire ça. Puisque nous n'avons pas de moyens, nous devons faire voir nos passés. Nous devons personnage qui a la vie de 67 qui est avec. Les malgré parents, c'est même seul, moi-même seul, nous devons tous les voir pour ça. Famille victime là, mandé Ravi Sayo, tant présouple libéré jeune garçon ça, qui quitte le nan souffrance, à qui on bébé dans votre lit, à qui on l'autre soubral. Phénomène insécurité a, c'est un problème différent acteurs yo t'al posé dans sommet CARICOM dans pays Jamaïque pendant 3 jours. Pourtant, acteurs yo entré dans pays a de main vide, qui donc sans aucune proposition sortie de crise. Au contraire, nous ka constaté certains là-dedans yo qui t'al yaya kò yo dans pays Jamaïque comme quoi tout va bien en Haïti. Pendant temps ça, nèg exam yo continue à faire parler de yo. Plusieurs cas kidnapping déjà recensés, sans compter divers lots. Il y a tout et presque chaque jour bon démité. À Diani Oxima en blanc, Saint-Fleur, TAC 509. Merci pour le reportage ici là à Diani Oximabla Saint-Fleur. Citoyen David Locha fait connaître maladie choléra à taille banda en plein nan depuis quelques temps, surtout dans zone Fuji, en pile calamant enregistré. Selon David Locha, qui c'est un jeune qui habitait dans zone ça, lui fait connaître l'hôpital sans frontières qui était fermé, obligé de relouvrir porte lui pour capable recevoir cas choléra yo, mais qui déjà dépassé par événement. Pendant les souliers, MSPP supposé agir pressé pour éviter pita pitris dans la communauté sila. En écoute David Locha qui est citoyen zone pleinement l'a dit plus dans micro journaliste TAC 509. Pas gen ken moun, pas gen ken autorité qui vini pour te assistance ensemble avec moun dans localité ça et spécialement on a parlé de Fuji avec Tikazal côté choléra lui-même l'a fait parler de lui et plusieurs moun ta mouri. Pendant choléra lui-même l'a fait actualité, divers moun qui attrapé maladie mais famille yo et parents yo
moun yo menen yo nan l'hôpital sans frontières. Et nous connaissons l'hôpital sans frontières de Douyard, lui-même li fermé. Mais face ensemble avec situation, jan yo wè moun yo ye, et mes responsables dans l'hôpital sans frontières qui toujours là, bay moun yo en assistance, mais yo pa kembe moun yo. Yo voye yo nan l'hôpital nan Fontaine, toujours dans la commune Cité Soleil. Donc l'hôpital nan Fontaine nan lui-même li saturé, donc li pa ka pran moun encore parce que nous-mêmes nous connaissons dans localité et surtout Fouji gen plus pas une centaine de monde qui atteignent de maladie choléra. Gagné moun nous connaît qui mouri la caillou dans choléra, il y a environ 5 moun comme ça qui mouri la caillou et sans compter ça qui mouri l'hôpital. Donc nous même comme responsable nous gagné pour nous passer dans l'hôpital Fontaine nan, pour nous aller garder et parler ensemble avec responsable yo dans l'hôpital Fontaine pour nous connaître et combien moun yo enregistré qui mouri dans choléra. Donc n'a lancé SOS là encore, nous fait appel avec MSPP, n'a mandé yo pour capable intervenir pour pita papitris parce que situation moun yo a vive là li pas possible, li pas bon pour moun yo côté que gade moun jusqu'à présent moi dit encore yo pas ko ka faire nettoyage de la caillou, gade moun qui gloa gèt en sorti, ça va dépendre de côté lié a, mais pour la caillou a c'est dans gloa pour li passer. Donc gratel là a bay moun yo problème, infection mesdames yo gen infection, mais gen tout choléra qui a fait gros actualité l'autre bois côté plusieurs moun a pris d'atteindre choléra, c'est chaque jour moun a pralé l'hôpital Fontaine nan pour être choléra, mettez sous moun ou tande temps en temps tande gon gen moun ki mouri la kayli et yo dou se cas de choléra. Donc n'a mandé pour autorité yo dans l'état pour capable intervenir parce que choléra a touye moun yo, choléra a bay moun yo problème, pour capable vinn assister moun yo pour te clore, pour te tout ça yo konnen moun yo même yo capable besoin dans Fouji, dans Martial, dans Tikazal, dans Croix des Missions, Route, Corridor Jo, Chada, pour te assistance ensemble avec moun yo pour moun yo même yo capable suspend mourir, pour capable suspend victime de maladie choléra. Dossier social, Confédération Travailleur Secteur Public et Privé STSP nan tête collée à Confédération Travailleur Haïtien CTH nan yon communiqué, yo exprimé indignation yo sou massacre la police ak agent sécurité compagnie Côte d'Ivoire nan Wanamet fait sou ouvrier yo côté de la dan yo joine la mort yo plusieurs l'autre sorti blessé. Responsable CTSP ak CTH yo qui dénoncer Zaksa, yo exige pour gain sanction sérieux qui prend contre tout coupable qui participait dans Zaksa cela et puis yo dénoncer en même temps passivité autorité concernée yo qui livrer ouvrier yo baïa pays Saint-Domingue dans département Nord-Est là. En écouter Jean Bonal Fatal lui-même qui c'est président CTSCP l'a dit plus dans micro Josué Belamont. CTSP avec CTH, nous sorti notre ça, c'est pour nous capable de dénoncer une fois encore attaque qui fait contre ouvriers en dans Côte d'Ivoire. C'est pas la première fois que Côte d'Ivoire a utilisé soit l'armée dominicaine, soit la police nationale pour capable faire massacre sur ouvriers. Nous dénoncer laxisme autorité haïtienne parce que autorité haïtienne montre yo très faible et yo quitté yo police totalement au service de Côte d'Ivoire côté nous gagnons en police qui transforme tête li en agent de sécurité. Faut nous dire que police ça c'est une police qui a fait un travail totalement de et service douanier dominicain qui empêchait produits haïtiens rentrer sur marché dominicain, qui empêchait haïtiens rentrer et sous territoire dominicain. Ça veut dire que c'est une police qui totalement au service de République dominicaine. Ça veut dire que tout monsieur ça qui dans police ça, qui c'est policier qui dans Polifonte, qui dans Udmo, c'est un bagage non considéré que c'est des nèg qui a travaillé contre pays. Nous même encore nous dénoncer à travers notre ça comportement et ensemble autorité yo, notamment ministère affaires sociales dans zone là, qui c'est de monde qui était totalement à la solde de Côte d'Ivoire, côté c'est Côte d'Ivoire qui bail instruction, ça veut dire que rôle yo pour jouer yo pas même jouer li, c'est Côte d'Ivoire qui bail et la police instruction, c'est à dire que c'est ensemble de questions sérieuses que nous-mêmes nous dénoncer dans notre là. C'était déclaration syndicaliste Jean Bonal Fatal qui t'a dit plus dans cadre dossier cela. Syndicaliste Fignolet Saint-Cyr, lui-même qui est responsable central autonome travailleur haïtien, lui exigeait justice et réparation pour famille ouvrier qui était mort dans le Côte d'Ivoire 15 juin qui s'est passé là. Il condamné CATH là, Fignolet Saint-Cyr, en même temps critiqué responsable Côte d'Ivoire qui souvent appelé la police pour n'importe qui mal entendu entre employé et responsable
compagnie Sila syndicaliste Sandil souhaitait ministère affaires sociales et travail jouer rôle li pour capable râler les oreilles responsable dans corps de vie en écouter Fignolé Saint-Cyr lui-même qui c'est responsable central autonome travailleur haïtien l'a dit plus dans micro journaliste Tax 509 corps de vie gain ni relé la police relé militaire dominicain au passant savoir tes gros problème qui était passé sous pont l'entrée corps de vie dans les manger pendant que magistrat de corps de vie ça t'a créé un gros problème fait soldat dominicain puis les sols d'Haïti encore. Donc c'est un chiffre pour le peuple haïtien. Et les 15 qui se passaient là, camarade yo qui victime là, qui mourit en bas balle assassine, donc yo même seul péché au fait parce que t'as pas le travail. Et yo mourit sous lieu travailleur, je dis à nous espérer que le gouvernement haïtien et la communauté internationale tout entière exiger code de vie aux réparations substantielles pour famille Mounsayo. Nous voulons parler de Gabi Emilien qui a travaillé dans Massava et d'Atilis Brunel qui a travaillé dans AMD. Et deux camarades ça y est, donc il faut famille jouer une réparation selon Jean yo victime. Aussi il faut une enquête, même si moi ouais ministère affaires sociales on l'est sur réseau qui m'a dit que yo même y a diligenté une enquête dans code de vie, mais t'as même plusieurs enquêtes faites organisation droits humains et même organisation droits humains internationale, y a enquête pour permettre fixer responsabilité yo, parce que code de vie toujours après les non seulement la police et relé des unités spécialisées pour quoi? Parce que travailleurs eux-mêmes, ils ont pas gagné l'autre recours, c'est force de travail. Donc économie isigno, économie zone franche code de vie, chita sur d'autres travailleurs, au lieu que eux-mêmes ils joignent bénéfice travail, eh ben c'est tuer, ils ont tué, là au parti ils ont pas balle, eh ben ils ont mouru sur les travailleurs parce que sont sorte d'oppression même en dans toute partie industrielle. Donc nous espérons que le ministère des Affaires sociales joue le rôle en tant que monde qui occupe le travail, organe qui occupe le travail, bien que nous connaissons qu'il y a travail sur une représentation effective dans notre là, parce que ça qui l'a eu. C'est des pour patron et travail que ce soit ministère affaires sociales dans le nord est sur toute chaîne hein, la police la justice donc chef zone franche contrôleur et c'est pourquoi nous-mêmes nous lançons appel au gouvernement haïtien via le ministère des affaires sociales pour que en fait je dis hein, voilà cette intervention Fignolé Saint-Cyr. Gen habitant kap viv nan lokalite Boaleta section la brésilienne nan commune Benin ki nan département Sud-Est pays a yo même ki dénoncé difficulté sous toute forme y a fait face pa gen l'école pa gen route yo pa gen accès à l'eau potable Floritan Sadrak yon étudiant ki joue rôle porte-parole habitant yo lancé yon appel bay autorité concerné yo pour un an qui me dit, yo kap pote soutien bay habitant sa yo kap confronté en pile problème nan communauté si la Floritan Sadjak c'est un étudiant l'abdi plus en ami ko journaliste en tak 509. Bon, déjà, Benin c'est une commune qui a affronté yon paquet problème nan mouman sa. Et je dis encore c'est une occasion pour moi capable saluer et pour parler de Benin. Nous tous net nous responsables de ce qui a passé en dans Benin et nous même tout qui dans partie média tout et nous aider nous faire message ça passer parce que moun Benin ont pas quelque problème moun yo pas gain route parce que jusqu'à présent ça fait combien de temps que route Benin li pa jam ka fin fait à chaque fois que et l'état passé en bacolo de souli 2-3 jours d'écraser encore. Regardez la situation de Moun Benin, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de côté pour passer. Pour la passe asphalté. Moun yo toujours dans une situation et son paquet de problèmes. Les lapis tombés, ouais, si vous avez fait un petit bout à la main, pour vous voir comment une machine qui a passé, qui a sorti pour tout le monde, pour vous descendre dans la ville de Benin. Bon, mes amis, c'est vraiment difficile. Et là, par exemple, même dans la route pour l'état, à côté que même l'école qui presque pas gagne, qui est jeune, qui n'a pas quand même à l'école dans la section de la brésilienne. Ou après, je suis obligé à travailler parce que dans le moment, je suis obligé à l'école. Il y a un côté qui est en noir et je suis obligé à retourner dans le bois à l'état parce que je fais 3 heures à 4 heures de temps pour arriver à la caillou. Il y a un paquet de têtes même qui viennent arriver perdre la vie. Et ça, c'est un paquet de problèmes. Et route dans le bois à l'état, je suis vraiment souffert. Ça fait quelques temps côté que je suis malade pour essayer de boire pour y avoir marié. Mais j'ai aussi une tâche côté
aller à l'hôpital et même rendre que mon yo qu'on pas que difficulté même pour une ambulance pour qui même mener à l'hôpital. Et malgré que casse franchi qui c'est un homme qui toujours campé ensemble avec toute lutte ça OK m'a mené tout le même tour la mené pas que les tout pour commencer à carrer mais malheureusement c'est vrai que le casse mais en tête jour presque pas répondre avec regardez. Ça fait combien de temps là dans le là depuis le mois de mars pour nous jeunes petit monsieur dans l'état que nous projetons car jeune casse coche monte descend vraiment mais MTPT c'est ta personne pour pas qu'être suivi pour voir comment capable aider nous jeunes matériel là pour c'est pour les pièces et pour capable et voir matériel venir bon pour nous amener des pièces près et dans l'état central nous même tout et PM non ni l'autre monde qui bon côté lui penser avec la présidente penser avec l'état bah on peut signer seulement aider mon yo joindre matériel là peuple là ni même ni tellement veut pour l'en fait ou après mettre gaz à la disponibilité de mettre un petit moyen quand même pour être capable aider opérateur non cadre encouragement pour travail là qui a venir faire mes amis aidez nous parce que nous je ne vous sens que ça capable encore parce que mon yo pas à l'école et ensuite pas rien l'hôpital qui prêt et seulement l'hôpital qui Bénéa qui dans ville Bénéa qui ont déjà qui on était qu'à aller et malgré tout manque médicaments et docteur tout et peut-être salaire encore yo pas fin répondre mais malheureusement yo résilié yo j'ai situation et a parfois vinn travail malgré yo pas qu'à manger pas qu'à boire non façon totalement de table boire mais yo vinn mais seulement médicaments yo pas qu'à jeûner et recevoir matériel tout qui est supposé gagner dans l'hôpital là pas gagner parfois gagne monde qui malade qui obligé de descendre dans Jacmel pour y aller prendre soin à cause recevoir matériel que docteur là supposé gagner venir pas gagner venir que monde descendre après ça nous besoin présence et MSF en bas tout nous besoin présence PSAID vinn ba nous participation pour PADF nous besoin vinn aider et bien parce que bien il y a un paquet de problèmes qu'il y a pas compté les gens choléra même moun mouri pas fil pas paquet. Voilà, t'as écouté déclaration jeune étudiant ça Florita Sabra qui était comme porte-parole moun k'ap vive dans localité Bois l'état section la brésilienne qui gagne en pile difficulté sous ça qui gagne pour avec question économie sociale et la trier. N'a traversé dans l'autre département pays à plus particulièrement dans département NIP pays à côté que conseiller organisation jeune pour refondation NIP n'a parlé de Wisman Fortil qui dans tête conseil Sila l'idresse yon table sombre sous situation difficile pays à trouver le jeudi hein, par rapport insécurité à li dit qui tournait yon cancer pour détruire pays à côté que dirigeant Ogéré NIP plan fait autorité yo connaît si yo pas résoudre un problème insécurité dans pays que yo démissionné pour faire place à moun qui capable mener bac pays d'Haïti. En écouté Wisman Fortil qui était dans micro correspondant à 509 Henri Claude Clercin depuis Miragouane. Qui était à travers pays a nous dit que Ogéré NIP nous là pour gagner sécurité dans pays a raison en dans NIP nous prenons comme modèle côté commissaire Miskade qui a fait le travail TPK pour nous. Nous avons demandé que la question de sécurité, ce n'est pas seulement la NIP pour la sécurité. Tout pays a dû gagner la sécurité. Par exemple, on dit que Port-au-Prince, tout le monde est dans la sécurité. Nous avons demandé au gouvernement pour choisir des gens qui sont capables pour mettre la sécurité dans le pays, tant que vous avez Miskade. Il y a besoin de Miskade pour le capital là-bas bon, et le département. Qui s'allie? Mais je dis à la, nous avons demandé si le gouvernement est capable, pas capable, pour jeter. Nous avons investi dans NIP parce que y a sécurité. Pour qui raison Ariel Henry, avec toute acolyte, il n'y a pas capable de sécurité. Il y a le Jamaïque, ça a le fait. Il va le faire pour le pays. Ça fait, il a danser. Mais qui résulte à venir avec vous nous? Nous-mêmes, nous ne pouvons pas sortir. Je dis à la, nous disons à NIP, Kembela, Palagé et tout le département, yo, et sécurité en vage, Kembe prend NIP comme exemple. En dehors de NIP, nous avons goûté pour gagner sécurité sociale et économique. Mon cher, ce n'est pas seulement moi qui suis là, le pays a le monde est
bandit, par exemple, bandit a passé dans la machine muscadée, pour quelle raison l'autre n'a pas gagné tout, service secret n'a pas gagné. Je dis à la m'a gagné dans le carré dans la région, je dis matin, Port-au-Prince, l'autre côté, depuis 6-7 ans, tout le monde est là, je vis Port-au-Prince. Ou si ton côté pas de soi pour un bien, insécurité, mais là, regardez, je suis à malaise. Moun qui pas à l'aise dans NIP, c'est moun qui bandit, origine n'est pas pillé, commissaire muscadé, n'a pas demandé pour le gouvernement ça, faire ça capable, sinon j'ai des biels. Pour gagner sécurité, pour gagner sécurité dans le pays. L'a quitté département NIP là pour capable d'entrer dans le département la Tibonite, pays à côté gang, pas suspendre, faire parler de yo. Eh bien, gagner chef gang Kokorat San Raslad qui est le meilleur. Ainsi Koni sorti yon vidéo li présenté plus passé 10 âmes la guerre. Côté que li fait connait la police ak bandi pas capable retirer la ville li la pirede, chef gang Sila annoncé 27 juin k'ap vini là la bloqué route nationale numéro 1 dans zone la Croix Périsse. Eh bien Désir Vénès a porté plus détail dans quatre dossiers Sila. Gang Kokorat San Ras dans la Croix Périsse Meyer ak Frèl Benji sorti yon vidéo yo présenté plusieurs gros âmes la guerre yo fait quoi yo t'ai déjà chita entre yo pour te réfléchir comment yo t'a dû font trêve pour te suspendre théoriser souffre ak partager k'ap fréquenté route nationale numéro 1 nan niveau la Croix Périsse yo fait quoi yo reprend bâton pèlerin yo à cause la police utiliser l'autre groupe armé pour te vin attaquer yo pendant plusieurs fois. Yo fait quoi si la police ak l'autre groupe armé qui a utilisé pour attaquer yo pa ka mette fin nan rey yo, y a bloqué route nationale numéro 1 net. Selon yo 27 juin ta dwe gen opération contre réseau gang Kokorat San Ras la. Si ça pas fait yo même y a coupé route nationale numéro 1. Yo même bay défi ak responsable commissariat Listea RV ak commissaire Gis ki nan ville Gonaïve. Yo longe douet yo bien long sou responsable syndicat chauffeur nan Gonaïve ki te organisé yon marche suite avec misère ke chauffeur yo ak passager ap konnen le ap traverser tronçon route la Croix Périsse la. Li fè responsable syndicat ou konnen c'est RV ak commissaire Gis ki la cause chauffeur ak passager yo ap konnen mauvais moment en babandi Kokorat San Ras ki nan la Croix Périsse yo. Désir Vénès, Tigrivière la Tibonite, Cité Crête à Pierrot, TAC 509. N'ap traversé dans le département Nord-Est, pays a dans objectif pour aider élèves en 9e année fondamentale yo, rattraper yo et puis combler yo ensemble vide qui gagnait pendant année académique 2022-2023, surtout à cause grève enseignant dans tout pays a. Pour aider élèves yo faire face à examen yo, ministère éducation nationale à travers direction départementale Nord-Est, bureau éducation, on mette sous pied yon kou rattrapage pour élèves 9e année l'école publique yo nan yon interview. Journaliste TAC 509 accordé journée mercredi 21 juin 2023 dans local EFACAP BDS for Liberty, inspecteur principal BDS for Liberty nan département Nord-Est. N'a parlé de Robinson Jean, l'hypote explication sous kou rattrapage si la kap gen pour réaliser pour élèves yo sorti pour élèves kap sorti tout partout dans l'école publique yo nan commune. Pendant sa lié initiative, si la ministère a mette campé pour accompagner élèves yo. Inspecteur Robinson Jean Abdi Plus, dans le micro correspondant TAC 509, département Nord-Est pays a parlé de Chenot Rosseni. On va dire que nous recevons Timon plus particulièrement dans une zone reculée, plus particulièrement. Pour Timon qui après composé pour la première fois, surtout. Par exemple, le national de Garat, national de Gad Salim. Nous avons mis hier son ancienne école, mais il y a des difficultés, nous ne pouvons pas recevoir cours régulièrement. Pour rentrer dans la ville, nous avons National des filles, nous avons National Oswald Durand, nous avons Mix PM et la Trier. Ensuite, nous avons prévu recevoir environ 150 timons. Environ 150 timons. Mais malheureusement, on a un petit type de difficultés à rencontrer. Nous venons recevoir 110 timons environ, qui sont dans différentes écoles salariales, sont énumérées là. Donc, en gros, c'est ça. Objectif pour de rattrapage là même, pour le ministère, il jugeait bon, il connaît grand pile l'école qui fonctionnait au ralenti. Il connaît que timonio, il y a des trous, des vides à combler.
Et dans ce sens, il fait un coup de rattrapage ça pour plus ou moins font synthèse pour tout le monde ça pas trouver pour plus ou moins capable de gagner une réussite maximum. Et c'est dans ce sens, le professeur ouvre, il est très motivé, il est venu normalement à l'heure, il est préparé, et il a une bonne ambiance. Si vous avez des soif de ça. Si vous avez des soif de ça. Et vous voyez même Ibobo au ministère qui pensait à faire un travail de la sorte. Dans le coup de rattrapage là, qui matière nous a enseigné avec les élèves là? Yo enseigné toutes ces matières, à savoir mathématiques, sciences expérimentales, sciences sociales, communication créole, communication française, anglais, espagnol. C'est toute cette matière. Au sort de parler des 110 élèves, nous après ces voilà qui sortent dans différentes écoles, comment ouais participation élève dans le coup de rattrapage? Peut-être, je dis ça, oui, je dis que nous sommes très motivés dans ce sens. Très sur ça, si vous avez un enfant passé dans la salle, après, il y a une interaction. Le professeur a parlé, il y a une réponse, il y a une interaction, c'est que nous sommes très motivés dans ce sens. En tant qu'inspecteur au niveau fondamental, dis-nous, qui ça vous espérait de l'examen 9e année fondamentale que vous avez fait pas trop longtemps là, avec le coup de rattrapage là? Est-ce que déjà le ministère espérait une augmentation de quantité d'élèves qui peuvent réussir l'examen? Certainement, nous avons souligné ça tout. Nous disons que c'est un avantage lié au Timonio. Ça fait que Timonio y a un boucher double qui peut être fait là. A dit, ville qui a gagné, Timonio a bien comblé. Et ça a compté dans le nombre de réussites que le ministère a prévoir. Mais sous ta message pour tous les parents et avec les élèves qui peut-être pas vont participer dans le cours, c'est que ça d'aille. Un dernier message que je vais lancer, c'est pour les parents qui sont capables d'encourager Timonio davantage. Pour capable étudier et ça qui n'a pas de rattrapage pour faire venir, c'est ça qui n'a pas venir pour venir. Et pour élèves eux-mêmes, pour motiver plus. Parce que moi, je suis motivé, moi, je suis motivé plus. En parlant de plus que le ministère a parlé d'examen qui a été fait en créole et en français, dans le coup de rattrapage, est-ce que nous avons ces matières en créole avec les élèves en français? Les deux langues, comme d'habitude, c'est conseil de tout vous, nous enseignons les deux langues. Par exemple, pour français, exposé en français, mais des explications qui baillent en créole. Au fait de les deux langues, uniquement créole là. Il fait en créole. C'est là que nous mettons un bout dans notre troisième sortie du journal TAC 509. Merci à tout le monde qui a choisi de brancher la plateforme TAC 509 pour être capable de suivre un journal ça qui est arrivé possible grâce à journalistes et techniciens TAC 509. Pour te présenter au journal ça, c'est moi-même, Luc Albert Beaubois. Bye bye tout le monde, on va demain pour un autre journal.